Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Outdoor Tie. Outdoor Tie. je vais vous présenter aujourd'hui que du diamond painting, voilà. Alors j'avais choisi deux articles et la boutique m'en a rajouté deux autres. Voilà, donc je les remercie beaucoup. On va se mettre certainement plutôt le téléphone dans l'autre sens, comme ça vous verrez beaucoup mieux ce que j'ai à vous présenter. Alors, dans les articles que la boutique m'a rajouté, il y avait cette petite boîte. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. On va avoir un petit toolkit, voilà, avec des petits sachets en plus. Et c'est excusez-moi. Ah, d'accord. Oh, c'est j'ai pas encore eu des comme ça. Ah, cool. Alors, il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Oh, c'est chouette. Alors, c'est des dessous de verre. Donc, vous avez petit support. Les dessous de verre. Les strass et les perles. Voilà. Et ceci. Donc, il y en a... c'est 6, je crois. Je ne sais plus combien on a de dessous de verre dans celui-là. Donc, 1, 2, 3... Ouais, 6. Et on va avoir 6 choses comme ça. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que quand on m'en avait parlé, ça m'avait un petit peu intriguée. Et voilà. Des couvercles. Alors, si vous voulez... bon, je ne sais pas si c'est la même taille. Voilà. Là, c'est un qu'on avait déjà fait. Hein, mais bon, il n'est peut-être pas prévu pour ce couvercle-là. Mais voilà, si vous voulez, le couvercle va se mettre au-dessus. Et du coup, ça va protéger les perles. Alors ça, c'est pas mal du tout, du tout. C'est top. Alors, je vous montrerai les strass après. Du coup, je vais regarder tout de suite. Alors, bon, moi, malheureusement, ils sont sur... Enfin, malheureusement, non, mais ils sont sur le thème de Noël. Voilà. Donc, bon, très bien imprimé. Hein. Il y a la pellicule de protection. Je ne vais pas l'enlever, mais vous savez, il y a une pellicule de protection à retirer avant de faire son DP. Ici, ils sont en plastique. Voilà. Et du coup, hop, on va regarder. Bon, je vais y arriver. Voilà. Bon, il y a sûrement quelque chose à faire. Bon, là, je vais, j'ose pas trop appuyer parce que je ne voudrais pas le coincer. Il faut sûrement appuyer, vous savez, tout le tour pour que ce soit bien coincé dedans. Voilà. Est-ce que là, il y a... Alors. Oui, bon, il faut juste... Donc, il faut certainement l'enfoncer un petit peu pour que ça tienne bien. Mais là, je ne vais pas forcer parce que je ne voudrais pas, du coup, abîmer. Alors, on a un autre Père Noël, comme ceci. On a... un bonhomme de neige. Voilà. Hop. Oh, ça colle sur les côtés. On a des cloches. Un sucre d'orge. Et un sapin de Noël. Voilà.
sont très jolis. Donc là, par contre, il n'y a pas de liège pour mettre derrière. Bon, là, sur l'image, on voit qu'il y a du liège, mais là, il n'y en a pas. C'est pas très grave. Et on a les perles, les strass. Est-ce que derrière, je regarde s'ils expliquent quelque chose hein, ailleurs. Non, il n'y a pas de liège. Non, bon. Alors, on a, je ne sais pas combien de couleurs. Ah, il y a les petits sachets en plus. Alors, on va commencer par les petits sachets. Alors là, on a deux rouges comme ça. C'est quel numéro? Le 20. Ah, bah c'est pour le sapin. Voilà, c'est pour mettre sur le sapin. 1, 2. On a trois dorés comme ça. Cela, c'est la première fois que j'en ai. Et là, le 21, c'est pour mettre... Ah, ici, sur les cloches. Donc, il y en a deux à mettre, on en a trois. Donc, ça va. Et on a des demi-perles comme ceci. Alors, attendez, je vais... Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà, des demi-perles comme ceci. Holographique, donc c'est un peu des perles à B. Hein. Mais là, ce sont des grosses, hein. Enfin des moyennes. Alors, ensuite, on va avoir... On est comme ça. Des demi-rouges. Alors, est-ce que ce sont holographiques? C'est DAB, ça, ou pas? Non, c'est pas DAB. Là non plus, ce sont juste des blanches, des vertes et des bleus. Donc, on a 19 couleurs et 3 petits sachets. Donc, ça fait 22. Donc voilà pour les dessous de verre. Donc là, cette fois-ci, avec des couvercles. Donc je sais pas si on va les faire tout de suite, par contre. Comme c'est des modèles de Noël, je verrai avec Chouchou, on verra bien. Là, pour l'instant, il est en train de faire un DP, de toute façon. Excusez-moi pour le bruit. Hop, on remet ça pour pas les oublier. Alors, ce kit de dessous de verre, donc il y en a 6 avec les 6 couvercles et le support, $13,99. Deuxième article que la boutique m'a rajouté, c'est un DP partiel. Voilà. Un bonhomme de neige, trop rigolo. Bon, c'est pareil, hein. C'est sur le thème de Noël, donc ça ne sera pas fait tout de suite. Alors, on va avoir 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs. Il est fait sur une toile pailletée, donc ça c'est bien parce que là, du coup, comme c'est un partiel, ce sera beaucoup plus joli si j'arrive à vous le montrer. Non, j'arrive pas. Si j'éteins le flash, est-ce qu'on voit les paillettes? Oui, on les voit mieux. Bon, pas beaucoup, mais croyez-moi sur parole, il y a des paillettes. Niveau colle, c'est impeccable. On va remettre le flash pour bien voir.
Voilà, niveau impression, bah, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, il n'y a pas énormément de perles à poser. Et il doit être très très beau. On a bien sûr le petit toolkit. Voilà. Et on va avoir des strass et des petites perles. Alors, il y a des perles à baies, je crois. Bon, je vais y arriver. J'ai deux mains gauches. Voilà. Hop. Allez. Ah, il y en a une petite rouge qui se promène là. Alors, on a des... Ah bon, je disais que j'en avais jamais. Voilà, des dorés. Alors, les dorés, c'est des E. Voilà, ça va être pour les boutons. Ça va être pour les boutons ici. Là, on a des yeux de chat. Des dorés encore, mais plus petites. Là, alors, ça, c'est... Elles sont à l'envers. On va la garder comme ça. Voilà. Donc, deux grosses ici. Et ça, c'est quoi? C'est le B. Il en faut une. Ah non, deux. Il en faut deux. Ici, en bas. Voilà. Là et là. Et ensuite, donc, on a des rouges comme ça. Enfin, là, BAB. Blanche. Et des rouges. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de perles à poser, enfin de strass. Mais je pense qu'il sera très très joli une fois fait. Alors, ce petit bonhomme de neige partiel en strass, il mesure. Ah oui, je ne vous ai pas donné la taille, mais vous auriez compris, je pense, c'est un 30 sur 30 cm et il fait 6,99 $. Ensuite, alors là, c'est moi qui avais choisi. J'ai pris un carnet. C'est très très rare que j'en prends. Je crois que j'en ai pris un une fois. Alors, le petit toolkit, comme d'habitude. Les strass. Ah, c'est dommage. Le toolkit s'est imprégné dans le cuir. Enfin, c'est pas du vrai cuir, mais voilà. Donc, j'ai pris un peu style mandala. Voilà, dans les tons bleus. Alors, c'est un. Ah, c'est bien, il y a des lignes. J'avais peur qu'il soit blanc. Non, là, il y a des lignes. Donc, c'est top. Bon, je sais pas ce que j'en ferai encore. Hein. Voilà. Peut-être pour y marquer les broderies, je sais pas, oui. Mes mémoires. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je n'ai pas besoin d'un gros carnet. Allez, les strass. Voilà. Les yeux de chat, des gouttes d'eau, des petites gouttes d'eau, des comme ça. Alors, c'est des AB, des demi-perles AB et des strass bleus. Donc, en tout, on a 9 couleurs. Donc, pareil, il n'y a pas beaucoup, mais de toute façon, c'est un carnet. Hein, donc, c'est suffisant. Hop, on va remettre dedans. Oui, je sais, je fais du bruit.
Alors, niveau impression, ben, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, hein, vous voyez. Et niveau colle, de toute façon, c'est pareil, ça colle très très bien. Donc voilà, un petit carnet. Alors, la couverture, je vous dis, elle est en 6 mm, hein. Voilà. Combien il y a de pages, je crois une cinquantaine, je crois, je sais pas, 60 pages, je l'avais marqué, et c'est un carnet A5. Donc, ce petit carnet est à 5,87 $. Dernier article que j'ai moi choisi, alors c'est une boîte, donc la voilà. Alors, c'est pareil, je crois que des boîtes, j'en ai jamais pris. Enfin, des comme ça, en tout cas. Alors, bien sûr, il y a tout à monter. Voilà. Donc, vous avez des pièces comme ça. Voilà. Tout va s'emboîter l'un dans l'autre. Alors on a un petit toolkit, hein, comme d'habitude, avec des petits sachets en plus, et voilà les pièces. Donc c'est, ouais, c'est un genre de petit contreplaqué. Ça, c'est le fond. Et ça, c'est le dessus. C'est le couvercle. Avec un petit miroir. Alors, je pense qu'il doit... Ouais, il y a une petite pellicule dessus qu'il faudra retirer pour qu'il ne soit plus opaque. Voilà. Donc, bon, il y a quand même du boulot, hein, dessus, vous voyez. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de perles à mettre. Ça, on le fera ensemble. Voilà. C'est comme une petite boîte, vous en servez comme boîte à bijoux, ce que vous voulez. Alors, les strass. Donc ça, je ferai une vidéo, hein, consacrée à la boîte. Hop. Alors, des petites gouttes d'eau bleue comme ça, des demi-rouges. Oh, le vent, non, je t'en ai de ces vents dehors. Là, des diamants. Et des blancs, enfin c'est pas blanc, c'est couleur couleur diamant. Voilà, donc on fait une compte, il n'y a pas tellement, ça doit être le 7, ouais c'est ça, donc c'est tout ce qui va aller ici au milieu à chaque fois sur chaque planche, et après il faudra donc les mettre. Alors, hop, je vais dézoomer. Je ne vais pas le passer maintenant, mais voilà, il y aura. On les mettra dedans, là, voilà, comme ça. Et pareil pour l'autre côté, en sachant que les petits et ceux-là, il faudra les emboîter l'un dans l'autre. Voilà. Mais là, il y a le plastique encore dessus, hein, donc ça va gêner un petit peu. Mais enfin, vous aurez compris le système. De toute façon, je le ferai avec vous. Je ferai d'abord le DP et après, on fera le montage de la boîte. Alors, je ne sais pas si moi, je vais la coller un petit peu en plus pour être sûr qu'elle ne bouge pas dans le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, il y a une pellicule, hein, pour protéger, comme d'habitude. Et ça colle très, très bien. Voilà.
Bon, ben on fera tout ça en détail en vidéo pour que je vous montre comment on fait la boîte, comment on la monte et le résultat en même temps. Voilà. Donc, cette petite boîte, elle est au prix de 11,99 $. La boutique Outdoor Tide vous offre un code promo de 5% sur votre commande, sur toutes vos commandes. Hein, c'est valable toujours, donc marquez bien ce code sur un petit carnet pour ne pas le perdre. Et si vous achetez pour plus de 59 $, vous avez le droit à 2 cadeaux sur la boutique. Voilà. Bah écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Outdoor Tide. En plus, ah ben voilà, mes mères, je me disais, j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui, elle n'était pas venue. Et elle vient de dire bonjour à la fin. je remercie beaucoup la boutique de m'avoir rajouté 2 articles. Voilà. En plus, c'est 2 jolis articles. Hein, le DP Bonhomme de Neige et le kit de dessous de verre. Qu'est-ce que tu cherches, Fifi? Fifi cherche des choses. Fifi cherche des choses. Elle renifle, dit c'est quoi ces paquets? Je connais pas. Voilà, donc oui, je remercie beaucoup la boutique. Et moi, je vous remercie beaucoup aussi pour votre fidélité, toujours, que vous êtes toujours présents. Voilà, et je vous dis. Dès que je peux, on se fait la petite vidéo pour la boîte. Je verrai quand est-ce que je fais ça. Je ne sais pas encore, mais on verra. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.